a commencé en 2005, alors que le pays était politiquement cogéré. Visionnaire qu'il est, il rêvait d'un Congo grand et visait la mise en place d'un socle en vue de créer une nation forte. En 2005, il a initié un référendum avec pour objectif mettre sur pied un socle, symbole d'alliance entre le peuple et ses dirigeants en vue de bannir la dictature. Il réussit à obtenir la majorité de voix du peuple congolais et ce socle appelé Constitution a finalement existé le 18 février 2006. Ce, en dépit des contestations de certains politiciens qui rejetaient l'idée, devenus aujourd'hui les applaudisseurs du fruit du référendum qu'ils ont rejeté hier. Et depuis lors, Joseph Kabila n'a cessé de jurer que sur le respect de cette constitution dont il a œuvré pour son existence. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Alors qu'il rassurait plusieurs fois son peuple sur son attachement à cette Constitution en la respectant, chose promise, chose due, Joseph Kabila donne une leçon de démocratie à ceux qui prétendaient lui faire des leçons d'alternance sans les appliquer eux-mêmes. Il sort par la grande porte en marquant à jamais positivement l'histoire de la République démocratique du Congo en étant le premier président congolais et l'un des rares présidents du monde, 1. À organiser les élections, 2. Sans être candidat lui-même, 3. En acceptant avec élégance la défaite de son dauphin. Ces trois points font de lui ainsi le père de la démocratie et de l'alternance, alors que d'aucuns doutaient voir cela se réaliser un jour. Une année après, la République démocratique du Congo continue de déguster l'euphorie de son alternance, ce, grâce à la vision d'un homme aujourd'hui considéré comme le vrai père de la démocratie et de l'alternance.